Cher professeur, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Allô? Oui, je vous entends. Allô, cher professeur, vous Oui, m'entendez? je vous entends. Oui, Oui, nous attendons. Nous attendons. oui. Commencer. Oui, on peut commencer, on peut déjà commencer. Ok, parfait. Bonjour à tous. Oui, donc, bonjour. Le mieux, c'est qu'on coupe les micros pour pas que ça fasse trop d'interférences. Et s'il y a des questions, vous pouvez me les... On peut commencer. Ok. Voilà, le mieux, c'est que tout le monde coupe les micros pour pas trop d'interférences. Et s'il y a des questions, vous pouvez me les poser par le chat, d'accord? D'accord. Vous voyez mon écran partagé? Oui, ça marche, on voit. Oui, on voit. Donc, on va voir aujourd'hui les principes. Nous voyons l'écran. Quel écran vous voyez? Oui, l'écran est bien perçu. C'est celui-ci que vous voyez là où il y a la flèche? Là? Oui, oui. Là. Donc, on va voir les principes de la chirurgie en oncologie digestive. Alors, il faut que j'avance. Attendez, il y a un truc qui ne va pas. On va essayer de voir ça. Là, vous voyez bien? Oui, nous voyons, ça va. OK. Donc, on y va alors. Donc, la chirurgie, comme vous le savez, c'est le traitement le plus efficace en termes de guérison pour les tumeurs solides. Et même si, ceci malgré son caractère qui va être purement local et puis les effets délétères potentiels de cette chirurgie. Ça reste le plus efficace parce qu'on applique les bonnes règles de chirurgie carcinologique, parce qu'il y a eu plein de progrès faits dans les techniques chirurgicales, dans les techniques d'anesthésie, de réanimation, parce qu'on connaît mieux les tumeurs qu'on opère et mieux leur biologie, ce qui permet de sélectionner les bons candidats à la chirurgie. Et puis, parce qu'on va associer à cette chirurgie plein d'autres traitements, des traitements médicamenteux et des techniques ablatives. Donc, le cancer, ça reste une maladie diffuse à partir du moment où c'est infiltrant. Vous savez que ça va, une tumeur solide et digestive, elle peut disséminer par voie sanguine, par voie lymphatique ou même par contiguïté pour les cancers de stade T4. Donc, tout cancer qui va atteindre la sous-muqueuse, il a un risque d'aller diffuser ailleurs et de devenir donc une maladie diffuse et métastatique. La chirurgie, elle reste très, très efficace parce qu'elle permet d'éliminer la source principale de l'essaimage métastatique. Elle supprime un grand volume tumoral qui peut être difficile d'accès par une chimiothérapie. Elle peut éradiquer des sanctuaires vasculaires, enfin des zones où la chimiothérapie a du mal à arriver, et des clones létaux, c'est-à-dire des clones qui pourraient être résistants à la chimiothérapie. Mais donc, elle va être efficace et fonctionner, cette chirurgie, parce qu'on va suivre des règles de qualité. On ne fait pas n'importe comment et elle permet de potentiellement guérir un malade si on suit les règles. Alors, qu'est-ce que ça va être, ces règles et ces principes? Donc, il y a différentes périodes. Je l'ai présenté en différentes périodes. Quand on voit un patient, avant l'opération, pendant l'opération et après l'opération.
Et à chaque période, il y a des règles à suivre. L'objectif, donc, c'est d'avoir un traitement chirurgical qui va être complet et qui va être adapté au malade que l'on opère. C'est-à-dire que quand on décide d'opérer un patient, il faut prendre en compte deux choses principales. C'est un, le patient, deux, sa maladie. Et donc, on va adapter la chirurgie et le geste qu'on doit faire au patient et à sa maladie. Et donc, tout le temps, on doit se poser la question du bénéfice attendu du geste chirurgical que l'on va faire et des risques que l'on prend à faire cette chirurgie. D'accord ? Donc, lors de la première consultation, quand on va voir un patient qui est adressé pour un cancer digestif, on va avoir pour but, lors de la consultation, de faire le diagnostic, de voir l'extension de la maladie, de voir si c'est résécable, si on peut tout enlever, et si c'est opérable. D'accord ? Ce qui n'est pas la même chose entre résécable et opérable. Résécable, c'est la technique. Est-ce qu'on peut tout enlever ? Opérable, est-ce que c'est sérieux de le faire chez ce malade ? D'accord. Est-ce qu'on ne prend pas trop de risques ? On va évaluer le patient, donc son état général, savoir s'il a d'autres antécédents, d'autres maladies, des comorbidités. Son état nutritionnel, s'il est dénutri ou pas, s'il a beaucoup maigri. Et sa masse musculaire, c'est comme ça qu'on voit s'il a des réserves ou pas. On va évaluer aussi les risques anesthésiques, chirurgicaux, donc qui vont être liés au patient, à sa maladie ou au traitement qu'il a déjà eu. Et puis, on va faire le bilan d'extension de cette maladie. Donc, un bilan d'extension locale et un bilan d'extension à distance. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça avec cette première consultation, on va présenter le cas du patient en réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc là, il y a des radiologues, des oncologues, d'autres chirurgiens, radiothérapeutes, anapathes éventuellement, et pour qu'on discute du cas de ce patient et qu'on choisisse le traitement le plus approprié. Donc, on va confirmer le diagnostic, on va dire dans quel stade est ce cancer et on va définir le traitement, la stratégie thérapeutique. D'accord ? S'il faut faire de la chimio avant, après, comment on opère, ce qu'on va faire, et on revoit les examens et tout le bilan. Donc, on va décider s'il faut associer un autre traitement, s'il faut éventuellement, on va juger des contraintes qui sont liées au traitement. Donc, quel est le délai à respecter par rapport à l'arrêt de la chimiothérapie. Généralement, on arrête la chimiothérapie un mois avant l'opération, mais si le patient il a une thérapie ciblée avec des anti-angiogéniques, du bevacizumab ou des choses comme ça, il faut arrêter 6 semaines. Donc voilà, on va préparer tout ça. Et donc, on va planifier le geste opératoire pour avoir le meilleur contrôle, c'est-à-dire enlever en fait toute la maladie en ayant le moins de complications possibles et en conservant la qualité de vie du patient. On peut discuter donc des autres traitements qu'on va associer à la chirurgie, comme la chimiothérapie qui peut être par voie veineuse, qui peut être par voie locale, comme quand on fait une chimiothérapie intra-artérielle hépatique. C'est des traitements qu'on peut proposer en Europe et même aux États-Unis. De la radiothérapie, voire de la radiochimiothérapie. Pendant la chirurgie aussi, on peut faire des gestes associés à la chirurgie, tels que la chimio-hyperthermie intrapéritonéale, la CHIP. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, enfin, je ne sais pas s'il y en a au Congo. Mais c'est un traitement qui est fait, on va en parler un petit peu, pour les maladies primitives du péritoine, pour des carcinoses péritonéales, on peut faire la résection des lésions et une chimiothérapie qui est chauffée dans le ventre pendant la chirurgie. Il y a aussi des cas de radiothérapie péropératoire, ce qui est plus rare. Et puis après, on va discuter aussi des traitements qu'on peut faire après la chirurgie, ça peut être de la chimio, de la radiothérapie ou de la radiochimiothérapie. Donc, le traitement pour préopératoire, pourquoi on va faire ça à des patients qu'on va opérer donc d'une tumeur digestive? Évidemment, c'est pour améliorer le pronostic, diminuer le taux de récidive locale, améliorer la résection et donc augmenter les marges de résection. Si la tumeur diminue, ben, on aura plus de facilité à l'enlever et surtout des marges de résection qui seront peut-être non envahies. Enfin, c'est ce qu'on cherche à voir, des marges de résection non envahies. Ça permet aussi de tester la chimiosensibilité, c'est-à-dire qu'une tumeur qui est chimiosensible, qui diminue sous chimiothérapie, bah, c'est un peu mieux pour l'opérer, c'est un meilleur cas pour la chirurgie. Plutôt qu'une tumeur qui grossit sous chimiothérapie,
On sait que même si on enlève, on s'expose à ce que ça revienne tout de suite après la chirurgie. Donc, ça permet un peu de sélectionner les patients, de voir que si c'est en fait une tumeur très agressive et qui pousse toute seule comme ça, même avec la chimio, bah, même si on l'opère, ça va revenir et donc, ce n'est pas la peine de l'opérer. Et puis, ça peut permettre de rendre résécable une maladie qui n'était pas. Il y avait trop de métastases hépatiques, on ne pouvait pas toutes les enlever. Bah, parce que ça répond à la chimiothérapie, on va pouvoir faire la résection de toutes les lésions. Donc là, je vais vous donner quelques exemples des traitements préopératoires qu'on peut faire. Par exemple, dans le cancer du rectum, il a été montré, vous aurez les diapositives, hein, mais il a été montré que faire une radiothérapie, voire une radiochimiothérapie avec du 5FU en plus, eh bien, ça permettait d'augmenter la survie sans récidive. Et donc, c'est devenu un standard pour tous les patients qui ont des cancers du rectum, moyen et bas rectum, qui sont de stade T3 sur les examens préopératoires ou qui ont des ganglions sur les examens préopératoires, on va proposer cette radiochimiothérapie. D'accord ? Actuellement, elle a été modifiée depuis des études Prodige 23, non, notamment, où on fait une chimiothérapie, puis la radiochimiothérapie, puis on les opère. Et vous voyez, là, je vous ai mis les résultats d'études qui montrent que bah, quand on comparait la résection d'emblée, on faisait l'exérèse du cancer avec l'exérèse du mésorectum et par rapport aux malades qui avaient une radiothérapie préopératoire, il y avait une meilleur taux de survie sans récidive chez ces malades, donc un meilleur contrôle local. Autre exemple de traitement préopératoire, c'est le traitement pour les métastases hépatiques d'origine colorectale, des malades qui ont des métastases colorectales qui sont enlevables, on peut toutes les réséquer, mais on va leur faire une chimiothérapie avant et après la chirurgie. Là, on met du FOLFOX, c'est le 5FU et l'oxaliplatine. On met 6 cures avant la chirurgie, 6 cures après la chirurgie, et on a montré que ça a augmenté encore la survie sans récidive chez ces malades. Donc, c'est un standard thérapeutique. On fait ça à tous les patients. Même si les métastases sont résécables, quand on voit le scanner, on leur fait une chimiothérapie avant et après la chirurgie. Dans les cancers de l'estomac aussi, ça a été montré depuis pas mal d'années. La première étude, c'était en 2006, vous voyez, de faire une chimiothérapie avant d'opérer un cancer de l'estomac. On améliorait la survie à 5 ans. Elle passait de 23% quand il n'y avait pas la chimio à 36%. Et on a encore eu un résultat plus récent en 2019 avec une chimiothérapie qu'on appelle le FLOT. C'est du 5FU, de l'oxaliplatine et des taxanes. Et bien, on augmente la survie sans récidive, la survie globale, quand les patients reçoivent 4 cures de chimiothérapie avant la chirurgie, 4 cures après, pour des cancers de l'estomac localisés. Donc, il y a un bénéfice à faire cette chirurgie, même si elle est complète, même si on enlève tout, elle est bien faite, ben, à l'associer à un autre traitement pour mieux contrôler la maladie et contrôler en fait la dissémination micro-métastatique qu'on ne peut pas voir pendant la chirurgie et qu'on ne peut pas enlever. La chirurgie, ça reste un traitement macroscopique pour enlever l'organe, mais on ne peut pas enlever tous les lymphatiques qui sont partis et toutes les cellules tumorales qui ont pu se balader partout. Ensuite, donc ça peut permettre d'améliorer la survie, mais ça peut aussi permettre cette chimiothérapie qu'on va faire avant l'opération de rendre résécable une maladie qui ne l'était pas. Et ça, on l'a bien vu pour les métastases hépatiques. On a des patients. Il faut couper les micros. Coupez vos micros, s'il vous plaît. On a des patients qui ont des métastases hépatiques d'origine colorectale. Je ne peux pas continuer avec les micros. Merci. À côté. Il faut couper les micros, s'il vous plaît. Bon, je vais essayer d'avancer. Donc, des patients qui ont des métastases hépatiques, initialement, on ne peut pas les opérer parce qu'il y a trop de lésions. On peut leur faire de la chimiothérapie et ça permet de rendre résécable par une bonne réponse à la chimiothérapie des patients qui n'étaient pas
avec des survies qui ne sont pas si mauvaises. Vous voyez, dans cette première étude qui avait montré... OK, donc on reprend. Donc pour les métastases hépatiques, le faire une chimiothérapie, quand elles ne sont pas résécables, peut permettre de les rendre résécables. Par la bonne réponse, en fait, on va avoir une diminution de taille des lésions et rendre accessible à faire une chirurgie du foie, soit des chirurgies en deux temps, on opère un côté puis l'autre, soit on fait des chirurgies d'un côté et on fait des destructions par radiofréquence ou micro-ondes de l'autre côté. Donc, ça permet de rendre une maladie par des métastases hépatiques, une maladie hépatique qui n'était pas accessible à une résection, à la résection. Donc, ça avait été démontré au début des années 2000, les premières études. Vous voyez, on avait quand même des survies globales qui étaient à 33% à 5 ans, alors que des malades avaient une maladie qui n'était pas résécable. Ça peut donc aussi rendre des patients donc non résécables, résécables. Là, on avait regardé en faisant de la chimiothérapie localisée. C'est-à-dire que les patients recevaient de la chimiothérapie par voie intra-artérielle hépatique. On met la chimiothérapie directement dans l'artère du foie. Ils reçoivent aussi de la chimiothérapie veineuse. Et là, on obtenait des très bonnes réponses. Vous voyez, ça veut dire, c'est la réponse à la chimiothérapie. Il y avait un seul malade qui avait progressé. Tous les autres avaient très bien répondu. Et on avait pu opérer ces patients secondairement dans 66% des cas. C'était une étude de phase 2. On avait montré que on avait vraiment une très bonne réponse locale en faisant cette chimiothérapie directement dans l'artère et par voie veineuse et rendre résécable une maladie qui n'était pas résécable initialement. Maintenant, un traitement péropératoire qui est fait, c'est donc la chimio-hyperthermie intrapéritonéale que l'on fait pour les carcinoses. Donc la carcinose, elle peut être soit d'origine gastrique, soit d'origine ovarienne, soit d'origine colorectale. Et après, il y a les maladies primitives du péritoine, comme le pseudomyxome péritonéal ou la maladie gélatineuse du péritoine, ou le mésothéliome, qui sont des maladies beaucoup plus rares. Et donc, dans ces maladies-là, on peut proposer d'enlever toute la maladie et d'associer à toute la maladie qu'on voit et d'associer à ce traitement un bain de chimiothérapie qu'on fait pendant l'opération une fois qu'on a tout enlevé. Ça, c'est pour traiter en fait la maladie microscopique qui reste dans le ventre et qu'on ne veut pas voir. Donc, on le fait dans différentes indications. On va le faire pour les maladies primitives, pseudomyxome, mésothéliome. Pour le côlon, c'est très discuté. On ne fait pas, voilà, ça, c'est discuté. Pour l'estomac, on le fait quand il y a très, très peu de maladies dans le ventre, très peu de carcinose. Et puis, pour les ovaires, on le fait aussi. Il y a un essai positif pour faire la chimio-hyperthermie pour les carcinoses d'origine ovarienne, mais ça reste discuté en staff, mais il y a un essai positif. Donc, le principe, ça consiste à faire la résection de toute la maladie visible. On peut laisser des micronodules, mais de moins de 1 mm, qui seront traités par la chimiothérapie. On fait le bain de chimiothérapie intrapéritonéale. On chauffe ce bain à 41-42 degrés pour augmenter les effets de la chimio. Alors, les protocoles varient, ça peut aller de pendant 30 à 90 minutes, la chimiothérapie, le bain. Et on associe une chimiothérapie veineuse le plus souvent. Tout ça, donc ça, c'était les premières études qui avaient été faites pour la carcinose d'origine colique. Et vous voyez qu'il y avait un bénéfice à faire ce traitement, de faire la chirurgie plus la chimie. Tout ça, c'est pour vous montrer que la chirurgie fait beaucoup de choses et la chirurgie carcinologique, une fois qu'on a posé une bonne indication, bien, voilà, bien staffé le malade avant et qu'on sait qu'on va pouvoir tout enlever sans avoir trop de complications, il y a un bénéfice, mais qu'il peut y avoir aussi un bénéfice, il faut se poser la question de faire des traitements à côté. Donc, ça peut être des traitements avant par une chimio, pendant. Là, c'est des exemples de chimio-hyperthermie intrapéritonéale, quand on fait le bain de chip. Et ça peut être aussi des traitements après. Et il a été montré pour le cancer du côlon, quand on opère un cancer du côlon de stade 3, ben, on fait une chimiothérapie après, pendant 6 mois du FOLFOX, ça permet d'augmenter la survie. Donc, la chirurgie, c'est bien, ça enlève le gros de la maladie. Mais souvent, dans ces chirurgies, il y a des cancers un peu avancés, qui sont N+, ou métastatiques, il faut faire en plus un traitement par chimiothérapie. Donc là, voilà, c'était pour vous montrer. Pourquoi on a ça? Au bloc opératoire. Ah ben voilà, je ne sais pas si ça a été bougé mes diapositives, désolé.
pour vous dire, les autres temps au bloc opératoire, ce qui est important, c'est qu'il va falloir donc explorer quand on opère le malade, explorer complètement l'abdomen, être sûr qu'on va pouvoir enlever en totalité la maladie, le cancer, faire des examens extemporanés si on a des doutes. Donc, on prend des petits morceaux, on les envoie pour si on a des doutes sur la résection, si on va être complet R0. On confirme qu'on peut tout enlever, qu'on sera R0 et on fait la chirurgie. Le type de chirurgie, ça va dépendre du type de cancer qu'on opère et de sa localisation, bien sûr. Donc, le but, c'est d'avoir une exérèse complète, sans effraction tumorale, tout enlevé, ne pas avoir de marge envahie, adapté au mode de dissémination. C'est-à-dire qu'il y a des cancers où il faut faire des grands curages ganglionnaires associés et d'autres, il n'est pas nécessaire. Par exemple, pour une tumeur stromale, une gyste, on sait que ça ne va pas donner de ganglion, donc on fait juste des résections limitées sans le curage. Pour un cancer du rectum, on sait que ça va diffuser dans le mésorectum et on est obligé d'enlever le mésorectum 5 cm au-dessus, 5 cm en dessous de la tumeur. D'accord ? Donc, on adapte la chirurgie par rapport à la dissémination que l'on connaît du cancer. Donc, on fait un curage adapté. Éventuellement, on peut repérer, ça c'est des choses, si on se rend compte qu'on est passé très limite au contact, et bien on peut mettre des clips parce qu'il pourrait être discuté après de faire une radiothérapie sur cette zone où on est passé au contact. Et puis, il faut essayer de ne pas faire saigner, parce que quand on fait saigner, eh bien, on sait qu'on diminue certainement par des phénomènes d'immunodépression, d'immunosuppression. Eh bien, on augmente le risque de complications post-opératoires et ça a un effet néfaste sur la survie. On diminue le pronostic, on altère le pronostic du malade quand il y a une chirurgie hémorragique. Donc, la résection complexe que je vous ai dit, on doit l'adapter à la maladie, au type de cancer que c'est. Et puis, sans faire des fractions, on enlève tout, on fait des exérèses monobloc, sans passer au milieu de la tumeur, tout ça, parce que là, on en met partout, c'est une catastrophe. Là, vous voyez des exemples de résection en étant adapté à la tumeur. Ben voilà, par exemple, pour un cancer du rectum, vous voyez le mésorectum en arrière, il va y avoir des ganglions. Et c'est pour ça qu'il faut aller enlever ce mésorectum. Il faut passer jusqu'à 5 cm sous la tumeur, 5 cm au-dessus, parce que même si la tumeur est ici, il peut y avoir des dépôts tumoraux et des ganglions dans le mésorectum jusqu'à 5 cm en dessous. Vous voyez, donc on enlève tout le mésorectum pour ne pas laisser de maladie dans le mésorectum quand on opère un cancer du rectum. Il faut faire le mésorectum en totalité, sans effraction de ce mésorectum. Là, vous voyez, c'est un mésorectum complet. C'est toute la graisse qui est en arrière du rectum. Il n'y a pas d'effraction. On voit qu'il est tout lisse. Et là, c'est un mésorectum qui a été complètement ouvert, dissecté. Et du coup, on ne peut pas faire d'analyse. On ne peut pas savoir la marge. Et on sait qu'on augmente le risque de récidive locale de façon majeure quand la marge elle est de moins de 1 mm. C'est l'inverse. Quand la marge est de moins de 1 mm, on a un risque de récidive locale de plus de 78%. Donc, il faut faire attention. On adapte. On sait qu'il faut faire l'exérèse complète du mésorectum, donc sans effraction, ce qui permet de diminuer le taux de récidive locale. Là, pareil, un exemple de résection avec des marges adaptées pour le cancer du pancréas. Vous voyez ici un cancer du pancréas, la veine porte, l'artère mésentérique supérieure. Bien, il faut vraiment passer tout le long de la veine porte et en arrière de la veine porte et longer l'artère mésentérique supérieure pour enlever tout ce petit, ce qu'on appelle cette graisse, le mésopancréas, la graisse ici en arrière de la veine porte et qui est contre et en arrière là, de l'artère mésentérique supérieure. C'est là où il y a des prolongements enfin de la dissémination tumorale, notamment au niveau lymphatique, nerveux, veineux. Et donc, il faut être complet et c'est ça qu'on appelle la marge rétropéritonéale, la lame rétroportale dans les cancers du pancréas. Et on sait que c'est très important que quand on a une résection R1 pour un cancer du pancréas, ben on diminue vraiment la survie par rapport à des résections R0. Le curage ganglionnaire, donc on va l'adapter aussi à la tumeur, à son mode de dissémination. On sait qu'il y a des cancers qui sont très lymphophiles et donc il faut faire des résections, des curages ganglionnaires autour de la tumeur. Et d'autres pas du tout, comme les gystes, les sarcomes, où on peut se limiter à faire une résection complète R0 de la tumeur, mais sans faire de curage ganglionnaire.
Donc, ça a une valeur thérapeutique, ce curage, et c'est surtout une valeur pronostique. Ça permet de faire le bon staging et de savoir, par exemple, s'il faut faire un traitement post-opératoire parce qu'il y avait des ganglions envahis ou pas. Ensuite, il y a un nombre de ganglions minimum à avoir retiré selon les cancers. Vous voyez, pour un cancer du côlon, il faut avoir retiré au minimum 12 ganglions pour pouvoir faire une bonne analyse. Pour un cancer de l'estomac, au minimum 15 ganglions. Et puis après, on va faire son curage en fonction de la localisation du cancer. Par exemple, pour l'estomac, vous voyez ici tous les relais ganglionnaires qu'on appelle autour de l'estomac, le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est les périgastriques. Puis après, on s'éloigne un petit peu au niveau de l'artère gastrique gauche, au niveau de la faux de l'artère hépatique, du tronc cœliac, et puis l'artère splénique, du hile splénique. Le curage qu'on doit faire dans un cancer de l'estomac, c'est un curage des deux. Mais en fait, ce n'est pas le même en fonction de la localisation du cancer. Pour un cancer de l'antre, localisé ici, le curage des deux, c'est de faire le 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, ça, c'est un curage des deux. On va jusqu'au niveau de la faux de l'artère hépatique, le tronc cœliaque et la gastrique gauche. Alors que pour un cancer du corps situé ici, eh bien, il faudra aller sur l'artère splénique, vers le hile splénique, enlever tout ça pour avoir un curage des deux. Donc, il faut connaître tout ça pour pouvoir décider ce qu'on doit faire comme curage et faire un traitement carcinologique complet quand on opère un patient, si c'est un cancer de l'antre ou un cancer du corps de l'estomac. Il faut limiter les pertes sanguines. Ça a été bien montré que plus un patient va saigner pendant une opération ou s'il est transfusé, ben, ça augmente le risque de complications. Et puis, ça a un effet délétère sur la survie, c'est-à-dire que ça va péjorer, enfin, ça va diminuer sa survie. En post-opératoire, bien sûr, on va aussi avoir une prise en charge médico-chirurgicale avec les collègues réanimateurs. Et une chose très, très importante, c'est de bien connaître la chirurgie qu'on a faite et bien connaître le risque de complications et quelles sont ces complications. Parce que quand on sait quelles complications risque le malade, eh bien, on va plus facilement reconnaître cette complication et donc on va plus facilement la traiter. Et on va éviter des complications qui deviendraient plus graves si on attend pour la traiter et on va éviter des décès en fait. Ça s'appelle, on voit dans la littérature, le failure to rescue, c'est-à-dire que le malade, si on traite tôt sa complication, eh bien, il ne va pas mourir cette complication. Alors que si on la laisse traîner parce qu'on ne l'a pas diagnostiqué, il risque d'en mourir. Il faut faire un compte-rendu opératoire. Ça, c'est une règle de la chirurgie carcinologique. Dans les 24 heures, parce qu'après, on ne se souvient plus, bien écrire les lésions, bien écrire ce qu'on a fait et pas hésiter à faire des schémas. Les complications post-opératoires, donc, comme je vous disais, ça augmente le risque ça diminue la survie. C'est un facteur de mauvais pronostic. Ça a été bien montré pour plusieurs étiologies, plusieurs maladies, et notamment là, dans cette étude pour les métastases hépatiques. Le patient qui a fait des complications, eh bien, il y a une survie qui est diminuée. Donc, il faut bien sûr essayer de ne pas avoir de complications, ce qu'on essaye tous. Il faut un bon examen anatomopathologique après. Il faut plein de choses dans ce compte-rendu anapath. Donc, je ne sais pas s'il y a des anapaths qui sont présents aussi, mais c'est important. Pour ceci, le mieux, c'est quand même que le chirurgien envoie une belle pièce plutôt que des choses qui sont donc toutes dissectées dans un seau, voilà. Là, on reconnaît bien. Si on peut, on essaye de l'épingler sur une pièce, sur une plaque de liège. Et puis, comme ça, le pathologiste va bien pouvoir voir les marges de résection, dire si elles sont malades, pas malades, combien de millimètres par rapport à la tumeur, le nombre de ganglions examinés, le nombre de ganglions malades. Enfin, voilà. Tout ça doit être précisé dans le compte-rendu anatomopathologique. En post-opératoire, on va rediscuter du dossier en RCP, en réunion de concertation pluridisciplinaire, voir si donc on a fait une bonne XRS, quelles sont les marges, si la résection est R0, discuter avec les oncologues s'il faut faire un traitement en plus, s'il y a un essai thérapeutique, et puis organiser la surveillance de ce patient. On va le surveiller tous les 3 mois, tous les 6 mois, on détermine le rythme de surveillance et quels examens. Donc, pour vous résumer tout ça, donc les règles, c'est de faire une chirurgie complète R0, avec un curage ganglionnaire adapté, qui ne saigne pas trop, pas beaucoup, le moins possible. Essayer de conserver une qualité de vie au patient. C'est bien de pouvoir tout enlever, on peut démonter complètement tout le ventre et enlever plein plein d'organes, mais si le malade ne peut plus manger et qu'il pèse 20 kilos après l'opération, on ne lui a pas rendu service.
Évaluer donc les bénéfices et les risques tout le temps, avant l'opération, pendant l'opération. Le mieux, c'est avant, parce que les décisions qu'on prend en préopératoire souvent ne sont pas bonnes. Donc, il faut prendre les décisions avant. Décider s'il faut faire donc un traitement avant et après la chirurgie. Et ça, on en parle donc avec les oncologues avant la chirurgie, après. Et donc, faire des réunions de concertation pluridisciplinaire avec les oncologues. Donc, les points clés, je vous les remets ici. Donc, la chirurgie, elle doit être complète, adaptée au patient et à sa maladie tumorale. On évalue les risques. On le décide tous ensemble en RCP. Et voilà, on peut dire que la chirurgie est complète seulement si toutes les marches sont saines à l'examen histologique définitif. Voilà, le mois de délabrement et faire des comptes rendus opératoires et anatomopathologiques complets et standardisés si possible. La conclusion, c'est tout ce que nous venons de voir. Je n'ai pas grand-chose de plus. Voilà, je vous remercie et je suis disponible pour répondre à vos questions. Pas de questions. Vous n'avez pas de questions? Merci beaucoup, professeur, pour ce bien exposé. Et ça, ah, j'entends pas bien. C'est magnifique. Est-ce que vous m'entendez la voix? Allô? Oui, j'entends pas. Est-ce que vous pouvez écrire la question? Allez. Parce que j'entends pas. Allô? Est-ce que vous m'entendez? On ne vous capte pas tellement bien. Vous sortez vraiment très coupé. Autrement, vous pouvez écrire la question et je vous répondrai. Mais j'entends pas bien là. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, j'entends mieux. Ok, sinon, nous vous remercions beaucoup pour cet exposé qui a été très, très brillant. Et nous laissons la place aux participants de poser leurs questions. S'il vous plaît, ceux qui ont des questions peuvent se manifester. Hein. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire ou soit vous soulevez vos mains et nous vous choisirons. Allô? Oui. Ceux qui ont des questions peuvent poser. Allô? Oui? Je vous entends. Oui, je laisse la place aux participants. Il y a des gens qui veulent poser des questions. Est-ce que vous voyez des questions sous forme des messages déjà? J'en ai vu une, j'ai répondu à une question, oui. Chers membres, je viens de réactiver vos micros. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Ah, je ne peux pas vous répondre là. Oui, monsieur Claude. Là, on m'a demandé des posologies de chez nous, je ne sais pas. Hein. Je ne peux pas vous dire. Je suis chirurgien. Bon, c'est, je dirais pas vraiment une question, mais j'aimerais un peu avoir une précision. Lorsque le docteur a parlé de... Oui, attendez, pardon, je réactive votre micro. J'ai coupé pour les autres, je réactive pour les autres. Attendez, s'il vous plaît. Ok, monsieur Claude, vous avez la parole. Monsieur Claude, vous avez la parole. Monsieur Claude, vous avez la parole. Allô, vous m'entendez? Oui, d'accord. Oui, j'aimerais avoir une petite précision. Lorsque le conférencier a parlé
de la gestion de l'hémorragie pendant une intervention sur un cancer. Alors, ouais. Là, ce qu'on craint, c'est simplement le fait de mettre en jeu les pronostics vitaux du fait de ces saignements ou bien ça peut aussi avoir l'impact sur la réussite même de l'intervention en soi. Oui, alors, c'est sûr que, en fait, c'est bon. Si le patient a un choc hémorragique durant une intervention, ça peut être catastrophique. Voilà, on peut perdre un malade parce qu'il saigne. Mais après, bon, on a les manœuvres de réanimation. Donc, le malade, il peut saigner beaucoup et il va être réanimé au bloc opératoire. Il va être transfusé, il va avoir des globules rouges, des plaquettes, des facteurs de coagulation, tout ça. Et donc, le choc hémorragique va être traité. Et donc, ça va aller. Mais en fait, on sait qu'on altère son pronostic à distance, certainement par des phénomènes d'immunosuppression, du fait du saignement, du fait des transfusions. Et les malades qui ont saigné ont un moins bon pronostic que les malades qui ne saignent pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de faire une chirurgie la moins sanguine possible. Et voilà, il faut savoir opérer sans faire saigner, quoi. D'accord, merci beaucoup. Merci pour cette précision. J'ai une question sur en post-opératoire cancer du rectum. On peut avoir une impuissance sexuelle comme complication? Oui. Alors, c'est possible. Ça, on sait que c'est en fait les plexus nerveux hypogastriques supérieurs, ceux qui sont juste après le pomontoire en descendant. Je vais voir, peut-être que je vais pouvoir montrer sur les diapositives par rapport aux diapos que j'avais. Je vais voir, attendez, je vais vous dire ça. Où est-ce qu'on avait le rectum ? Pas très bien. En fait, ils sont juste à ce niveau-là, latéralement, quand on est au niveau du promontoire. Il y a les plexus nerveux hypogastriques qui passent comme ça latéralement. Et donc là, si les deux plexus sont abîmés, oui, il y a une impuissance. Après, si on les préserve, normalement, il n'y a pas. Ce qu'il peut y avoir, il peut y avoir quand même, si on passe trop près sur l'aorte, au niveau de l'artère mésentérique supérieure, si on met l'artère mésentérique supérieure à nu, on peut aussi avoir une impuissance. Et des problèmes d'éjaculation rétrograde. Donc, il faut préserver, en fait, le feuillet qui est en avant de l'aorte et le feuillet qui est en bas, en avant du sacrum. Voilà, il faut passer entre le fascia rectis, qui est contre le mésorectum, et le feuillet, la ponévrose présacrée, là où il y a les nerfs. Il y a un petit plan. Et il faut passer dans ce plan-là, parce qu'autrement, si on passe contre l'os, un, on fait saigner, et deux, on abîme les nerfs. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que le type histologique de cancer gastrique influe aussi sur la technique opératoire ou le type de gastrectomie? Très intéressant. On a dit, il avait été dit que pour les cancers gastriques à cellules indépendantes, les cellules en bague à chaton, il fallait toujours faire une gastrectomie totale. On est un peu revenu là-dessus. En fait, on fait une gastrectomie totale quand c'est une limite, c'est-à-dire que quand il y a vraiment un aspect diffus, très épaissi de la paroi gastrique, avec une atteinte pariétale, plus que muqueuse, c'est vraiment dans la paroi, avec une réaction inflammatoire très forte, donc ça donne des estomacs cartonnés. Là, il faut faire une gastrectomie totale. Après, quand il y a un cancer de l'estomac et qu'il y a un contingent de cellules indépendantes, mais ce n'est pas une limite, c'est-à-dire que ce n'est pas l'atteint de tout l'estomac, on peut se permettre de faire des résections. Soit une gastrectomie subtotale, soit gastrectomie totale. Il faut avoir au moins 5 cm de marge saine. Voilà. S'il y a 5 cm de marge, on peut faire des résections gastrectomie subtotale, gastrectomie totale selon la localisation du cancer. Qu'il y ait des cellules indépendantes ou que ce soit un cancer gastrique adénocarcinome classique. Il n'y a que pour la limite où on dit là, obligé gastrectomie totale.
D'accord. Ok, merci. Merci, professeur. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Attendez, s'il vous plaît. Il y a une autre question. Vous avez une question, docteur Serge? Je voulais savoir si la... Bon, je ne sais pas si vous avez une autre question. J'aimerais avoir le nouveau, c'est de nouveau une explication sur la chimiothérapie hypertermique. Est-ce la chimiothérapie intracrânienne peut se faire aussi pour les autres cancers digestifs en dehors d'un carcinome hépatique via par le biais d'une abcès hépatique? Bah, très intéressant. Alors, ça a été le plus étudié, la chimiothérapie intracrânienne hépatique, ça a été le plus étudié pour la, les métastases d'origine colorectale. Après, il y a eu les chimio-embolisations, ça c'est autre chose, c'est pour les carcinomes hépatocellulaires. Mais la chimiothérapie sans embolisation, la chimiothérapie par infusion, comme ça, intra-artérielle hépatique, ça a été fait dans d'autres étiologies que les métastases hépatiques colorectales, mais assez rares. C'est vraiment à la, en discussion de RCP, on va le faire parfois pour un cholangiocarcinome, par carcinome. Parfois pour des métastases d'origine gastrique, mais c'est vraiment très rare et plutôt anecdotique. C'est principalement fait dans les métastases colorectales. Après, il y a la chimio-embolisation, donc ça, c'est fait dans le carcinome hépatocellulaire ou pour les tumeurs neuroendocrines aussi. Mais c'est la chimio-embolisation, ce n'est pas pareil. D'accord, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici? Docteur, professeur, vous avez des consultations. Je sais qu'on a tout beaucoup de temps avec vous. Est-ce que... Avez-vous des consultations? C'est vous là-bas, avez des consultations? Est-ce que j'ai... J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Je disais, le professeur m'avait dit que j'avais des consultations juste après la conférence. Est-ce que j'ai des... Après la conférence? Oui, le professeur Caton m'avait dit que vous avez des complications à l'hôpital. Si on a des complications, nous? Non, des consultations des malades. J'ai des malades à l'hôpital? Oui, chez vous, est-ce que vous avez des consultations? Est-ce que j'ai des complications chez mes malades? Non, je disais en fait, est-ce que vous allez consulter des malades juste après la, la formation? Vous m'entendez difficilement? Bah, c'est pas très clair. Il dit la consultation, la consultation. Vous avez des consultations? Oui, j'ai des consultations. Oui, j'ai des consultations. Oui. Ouais. Ah, il y a une question sur le cancer digestif le plus courant. C'est le cancer colorectal. Cancer colorectal. Parce que le m'avait dit que juste après la formation, j'aurais des... Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît, chers participants? Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'avais aussi une petite question. Oui, docteur André, vous avez la parole. Oui. Oui, j'avais une question. Donc, on nous a dit que qu'en faisant la résection, on doit faire. Oui, allô? Oui. Oui, professeur, vous avez dit qu'il faut faire la résection de toute la maladie visible. Oui. Alors, il peut arriver, parce qu'il y a un patient qu'on avait, donc il avait les cancers prenant le sécom, tous les colons ascendants et les colons transverses et une partie du colon descendant. Allô? Oui, oui. Alors, je ne sais pas quelle est l'attitude à prendre devant de ces cas-là. Donc, un cancer prenant tout, donc tous les colons ascendants, transverses et les colons, et une partie du colon descendant. Oui, il faut faire une colectomie subtotale. Épargnant juste le rectum seulement. Faire une colectomie subtotale avec une anastomose plutôt iléosigmoïdienne au-dessus de la charnière. Parce qu'on avait fait l'anastomose, mais vraiment... Presque une semaine après les suites opératoires, il était décédé. Ah, oh.
ça arrive. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais voilà, ça arrive de faire des colectomies subtotales, c'est-à-dire on fait une anastomose iléosigmoïdienne s'il y a une atteinte diffuse du côlon. Alors, c'est rarement sur un cancer, c'est plutôt sur des maladies péritonéales, les pseudomyxomes, les choses comme ça. Ou alors, après, c'est quand il y a un cancer du côlon gauche en occlusion avec une distension majeure du côlon droit et du cécum qui est en souffrance, qui est ischémique. Et là, on peut être amené à faire une colectomie subtotale. Oui. Parce que dans nos contextes ici, pour faire la chimiothérapie, parfois, c'est un peu compliqué. On recourt juste à ou faire la biopsie extemporanée. Vraiment, c'est compris, un peu difficile. Ouais, c'est pas très adapté. Là, c'était pour... ça vous montre comment on travaille, mais c'est vrai que c'est pas toujours très adapté. J'ai compris que, oui, il n'y avait pas tous les moyens pour la chimio. C'est pas toujours simple. Voilà. Après, c'est ce qu'il faut essayer de faire. À mon avis, déjà, les grands principes de savoir, d'essayer de bien décider qui va pouvoir vraiment bénéficier de la chirurgie, parce qu'il y a des malades, ils n'en bénéficient pas parce qu'ils ont une maladie qui est trop galopante, qui est trop agressive. C'est important. Après, d'essayer de faire la bonne opération, c'est-à-dire savoir ce qu'on doit enlever, l'enlever le plus proprement possible sans faire saigner. Avec une belle réparation, il faut prendre son temps, il faut bien faire des sutures, des choses, voilà, il faut... Tout ça, c'est déjà majeur pour améliorer le pronostic de ces malades, hein, même sans la chimio. Ah oui, oui. Je ne sais pas si c'est important de faire l'exérèse des ganglions ou si on peut laisser comme ça. Non, il faut enlever les ganglions du curage, comme je vous ai dit, hein. Il faut connaître dans les livres, le curage du rectum, ça va être le mésorectum. Le curage du côlon, ça va être son mésocôlon avec surtout l'artère nourricière qui va vers le cancer. Il faut enlever tout le mésocôlon sans l'abîmer. Le curage de l'estomac, je vous ai montré, il y a différents relais. Il faut enlever tous ces relais autour. Parce que si on enlève juste le petit bout d'organe, on laisse les ganglions malades et on n'a servi à rien du tout. Ok, d'accord. Merci beaucoup, professeur, pour l'exposé. Oui, merci vraiment. Nous sommes quasiment à la fin de notre troisième formation et nous tenons à remercier énormément, cher professeur, pour vos différents sacrifices. Et sinon, avant de finir, j'avais une petite question, toujours dans le cadre de la cancérologie. Au mois de mars, en fait, chez vous, là-bas, c'est dédié pour la lutte contre les cancers colorectaux. Donc, vous vous rappelez, non, de mars bleu. Nous aussi. Oui, contre bleu. Le cancer du côlon. J'aimerais travailler des cancers avec vous pour lutter efficacement contre ces cancers, surtout dans les dépistages. Alors, je demande comment est-ce qu'on peut travailler en collaboration, parce que nous aussi, ici, à Kinshasa, nous luttons contre les cancers colorectaux. Comment travailler avec vous? Ah, je ne sais pas. C'est compliqué, là. Vous me prenez au point. Je ne sais pas trop. On va réfléchir. On va en parler. On va réfléchir. Hein? Ok. Oui, oui. Comme ça, vous réfléchissez ensemble avec toute l'équipe pour voir comment on peut... Pour organiser mieux le dépistage du cancer colorectal. Oui, généralement, ça se passe comment, le dépistage du cancer colorectal? Ça se passe comment? Nous, il y a un programme, c'est-à-dire que ça dépend si le patient a des antécédents personnels ou familiaux. S'il n'en a aucun, en fait, il est proposé de faire le test. C'est un test immunologique dans les selles à partir de 50 ans. C'est des campagnes... des campagnes de prévention nationales. Donc, les gens reçoivent chez eux un papier qui leur dit « Vous allez aller voir votre médecin et il va vous donner le test que vous devrez faire pour dépister s'il y a du sang dans les selles. Et si c'est positif, il y a une coloscopie qui est faite. »
D'accord, d'accord. OK. C'est une très bonne chose. Alors, c'est comme ça que je ça pense qu'au mois de mars, oui, nous allons travailler ensemble. Sinon, nous tenons à vous remercier. Merci énormément. Merci à toute l'équipe de chirurgie digestive de votre côté à partir de celui. Et aussi, nous ici, à Kinshasa, nous vous remercions. Et nous sommes presque à la fin. Puis, merci beaucoup. Là, on se revoit à la prochaine. D'accord. Merci. Au revoir. Oui, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Nous espérons que les diapositives viendront cette passer sans beaucoup traîner. Oui, d'ailleurs, le même dernier diapositive de la semaine passée, vous avez dit ça, non? Oui, oui. Bon, d'accord, comme ça, c'est ce soir, mais d'ici demain matin, vous aurez les diapositives. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Comment ça a été? Enfin, aujourd'hui, c'était un peu trop court par rapport à la fois passée. Je ne sais pas si c'est tout ce qu'elle avait prévu ou bien. Ça. Le sujet était tellement court d'abord en type de logique en chirurgie. Donc, c'était juste son sujet qui a été court. Ben, c'était bien, bien, c'était bien. Bon, voilà. Seulement, on se rend un peu compte qu'il. Vous dites quoi? La prochaine séance. La prochaine séance sera pour quand? Si on peut déjà avoir une idée. Les derniers mercredis. Les derniers. Allons, l'enferme. Okay. Bon, au revoir. D'accord, mais. N'oubliez pas que c'est bon. Nous avons. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Aline Herbé. D'accord. Une préoccupation. Je me suis rendu. Bon, il n'y a pas de préoccupation. Sauf que c'est clair. Nous autres, on a été trompés avec l'air, avec le travail qu'on avait. Je pense que prochainement, c'est bon. Que vous venez de vous connecter. Moi, je viens de me connecter en retard. Bon, pas de problème. Sinon, on a enregistré la vidéo. Même demain, vous aurez la vidéo complète et les diapositives. Comme on était de service, alors on a eu beaucoup de temps avec les cas qu'on avait en retard. Bon. Mais ça sera. Donc, nous aurons besoin de diapositives. Pas de problème. Ok. Docteur Jade. Oui, vas-y. Oui, docteur. Aux vidéos de première, deuxième et troisième, comment faire pour en avoir? Nous sommes en train de faire les montages. Hein. Notre ingénieur fait les montages de ces vidéos-là. Donc, d'ici peu, vous aurez ces vidéos. Donc, je pense que même vers le début de la semaine prochaine. D'accord, merci. C'est bon, hein? D'accord, c'est bon.